Salut les Wheelers, c'est Monsieur Flex. Aujourd'hui, c'est le grand départ. Nous sommes le samedi 30 juin. Il est très exactement 6h07 et je commence actuellement le Tour de France. Je me trouve précisément à la mairie de Marly-le-Roi. C'est mon point de départ et je pars aujourd'hui pour Rouen. Allez, c'est parti! Ça, c'est exactement le genre de chemin que je vais avoir sur tout mon parcours. C'est des chemins de forêt, des routes de forêt. Et c'est réservé qu'aux coureurs, aux cyclistes. Et maintenant, aux monoroues électriques. Bonjour monsieur. Est-ce que je peux brancher sur une prise électrique qui est à l'entrée? Ça vous dérange pas? Merci beaucoup. Bonne journée. Donc là, je suis à Vernon et j'ai trouvé une prise en 5 minutes. Donc c'est parfait. On va brancher tout ça. On va voir si ça fonctionne. Bon, première étape validée. Je cherche de la crème solaire parce que j'ai oublié d'en acheter avant de partir. Et devinez ce que j'ai oublié aussi dans mon sac à dos, c'est un petit manteau. Donc j'ai juste des t-shirts et un petit pull. Donc bon, là au moins je vais choper de la crème solaire et puis on verra pour la suite. Bon, ça y est, je pars de Vernon, il est 13h30. J'ai fait à peu près 4 heures de charge et les batteries n'étaient pas encore au maximum. C'est-à-dire que le petit voyant de charge était encore rouge quand j'ai débranché, donc on verra. J'ai 66 km pour aller à Rouen. Heureusement, j'ai pu charger dans une sorte de médiathèque et j'ai pu laisser ma roue tranquillement à un endroit spécifique. J'avais de quoi m'occuper en tout cas et il fait super beau. J'ai pris de la crème solaire, je m'en suis mis partout. Et puis on y va, c'est parti! Alors là, j'étais obligé de m'arrêter pour admirer cette vue splendide. Regardez-moi ça. Le château de Gaillard. Et ici, une ville, il y a marqué la ville des Enlis. C'est juste magnifique. D'avoir l'alerte de batterie faible. On est plus très loin, à moins de 8 km normalement, mais j'aimerais pas tomber en panne ici parce que je suis un peu en pleine cambrousse. Donc je vais aller très doucement et puis je vais arriver à Rouen sain et sauf. Opération. Your device is low battery. Please charge it. Opération escargot. Bon, finalement j'ai marché un petit peu et j'ai trouvé me brancher. Il est 17h, je vais charger pendant au moins 20-25 minutes et après je fais les derniers kilomètres pour Rouen. Et je meurs de chaud.
d'arriver à Rouen. Il fait super beau, je suis fatigué, mais c'était un bon ride, 130 km. Et on remet ça demain. Ce soir, je vais chez Maxime qui est juste ici. Enchanté. J'espère que tu as droit à l'image. Bah oui, ouais, okay. Donc, c'est lui qui m'héberge gentiment cette nuit. Yes. Avec Guillaume. Hello. Avec Max. Rouen, 22h20. Petite balade du soir. C'est ça. On profite. Partir demain pour Cap. Ça y est, il est 7h25, il est l'heure pour moi de partir de Rouen et d'aller en direction de Cabourg, où je ne sais pas où je vais dormir. Mais cette nuit-ci, j'ai dormi chez Maxime, j'ai super bien dormi. Je le remercie encore. Pas de rien. Écoute, et à bientôt. Bah quand tu veux. Hein, allez. Bonne continuation. Salut. Salut. Là, je suis arrivé au bout de la piste cyclable et il faut que je traverse la Seine. Il n'y a pas de pont, mais il y a un bateau qui va pas tarder normalement. Et... la Seine une deuxième fois et je suis dans une petite ville très sympathique du nom de La Bouille. Je trouve ça trop mignon, La Bouille. Voilà. Bon là j'ai une très grosse montée, je monte tout doucement et si ça continue encore je crois que je vais finir à pied parce que j'ai pas envie d'utiliser toute la batterie sur cette montée. J'en peux plus. Ça doit faire plus de 100 mètres que je monte une côte. Mais infernale. L'inclinaison doit être de plus de 15% là. J'en peux plus. Et c'est pas fini. Il y a intérêt que ça redescende bien sur des kilomètres et des kilomètres après. Bon, La Bouille, jolie ville, hein. Je me souviendrai de toi surtout pour cette montée. Et bon, généralement, quand on a une belle montée, on se retrouve avec un paysage magnifique. Allez, c'est reparti, en l'air. Bon, la route que je prends là, elle est en travaux. Effectivement, c'était pas marqué sur l'application. Et j'ai pas d'autre moyen de rejoindre mon point de destination. Et je sais pas comment je vais passer là, parce que sinon c'est de l'autoroute. Ça va être compliqué. Bon bah j'ai forcé le passage. Et puis là on dirait que ça repart sur la route normale, donc c'est cool. Ok, je viens d'arriver à Ponteau de Mer. Il est très exactement 10h55 et je cherche où je vais pouvoir me brancher repartir cet après-midi. Donc là, je vais chercher l'office de tourisme et peut-être que je pourrais brancher là-bas. Alors, j'ai été jusqu'à l'office de tourisme qui se trouve juste derrière moi, mais elle ferme à 11h et je suis arrivé trop juste. Par contre, juste à côté, j'ai vu une petite salle ouverte. C'est le marché de l'art. Et c'est ouvert toute la journée, donc c'est parfait, je suis rentré, puis j'ai sympathisé avec un artiste. Et puis j'ai pu charger ma roue. Donc là elle est en train de charger, à côté il y a un super rue, je vais y aller, il est ouvert jusqu'à 12h30.
Donc ça va, je vais me faire une petite après-midi tranquillou. Il est 14h50, les batteries sont pleines et j'ai 58 km pour arriver à Cabourg. Alors attention! Je vais pas aller jusqu'à Deauville, mais c'est la bonne direction. Et donc on était sur la voie verte de la Catalogne, département Calvados. Donc on continue. Allez! Une prise électrique bien placée. J'en ai trouvé une, mais elle était devant tout le monde, en plein sur le trottoir. C'était pas top. J'aimerais bien un petit coin tranquille. Ah, je vais essayer par là. Ça me l'air pas mal. Bon, j'ai dû marcher au moins 10 minutes. Là, je me suis retrouvé au bord de la plage et j'ai trouvé une petite prise. Il n'y a plus qu'à voir si elle fonctionne. Bon, loupée, elle marche pas, donc je vais en chercher une autre. Mais c'est dommage, elle était bien placée là, en face de la mer, ça aurait été sympa. Ok, regardez ce que je vois là. J'espère qu'elle fonctionne. On va tout de suite voir ça. Bon, finalement, celle de tout à l'heure, c'était pas la bonne prise, mais j'ai enfin trouvé des toilettes publiques. Avec une prise ici, et donc tout mon matos. Et juste à côté, j'ai une petite vue sur la mer. Donc je vais me poser tranquillement, pas loin, et puis. Je pense que je vais bien kiffer. Bon, toujours à Cabourg, ils ont fermé les toilettes. Donc, il est 20h30, j'ai chargé quasiment 1h30. Mais j'ai pas suffisamment pour partir directement dans un petit camp. Donc là, à la recherche d'un bar, pour me brancher, peut-être me faire inviter. Bon, il est 21h et j'ai trouvé le spot ultime. En fait, de loin, j'ai vu cette pente. Je me suis dit, bon, il y a peut-être un raccordement électrique quelque part. Et en fait, il y a carrément tout un petit hangar comme ça, là. Et j'ai trouvé le tableau électrique avec plusieurs prises. Et de toute façon, moi, j'ai ma multiprise. Et je charge. Et je pense que je vais dormir là cette nuit parce que je suis au sec, à l'abri. C'est pas très propre par terre, mais... C'est pas grave, au pire j'irai sous la tente là, juste en face. Donc je suis ravi. Bonne nuit en perspective, je pense. J'espère que je ne serai pas embêté parce que c'est ouvert. J'espère que les gens ne viendront pas pendant la nuit. Bon, allez, je vous dis à demain. Ciao!